Ce n'est pas là? Non, mais il revient de suite. J'ai une commission pour lui, de la part de mon patron, le droguiste. Oh, ben c'est toi une fois seulement en attendant. Oui, ce n'est pas la peine. Excusez, mais je ne me trompe pas. Tu es bien? Oui, oui. C'est moi. Mais tu ne sais même pas qui je veux dire. Non, sans doute. À la droguerie, toute la journée, on a fait que me demander ça. Oh ben ça, je pense bien. C'est sur le stade du D-Ring que tu m'avais vu. Mais non, c'est la dernière heure de lundi passé. Oh, oui, oh, je n'étais pas bien, monsieur. Moi, je trouve le contraire. C'est sur le Sport Illustré que tu aurais dû me voir. Ah, ça, c'est un portrait. Je suis tellement beau dessus. Et tellement ressemblant. J'en ai même fait tirer des cartes postales. Regardez une fois seulement. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là avec ta jambe? Ben, un shot, tiens, comme pendant les matchs. Les matchs? Je n'ai jamais vu ça. Mais, je pensais que tu aimais le football. Le football? Ah, oh, ça j'aime pas. Par contre, les footballistes, ouais, ça j'aime. Parce que ce sont de beaux hommes. Comme les artistes de cinéma. Tu veux une carte postale? Oh ben oui alors! Avec mon orthographe? Oh ben si c'était pas trop demandé! Est-ce que tu peux mettre mon nom avec dessus? Quel est encore une fois ton nom? Charlotte! Ah, Charlotte! Non! Pas avec un « ce », avec un « che ». Comme... Oui, je sais, comme « gendarme ». Tiens. À mon admiratrice Charlotte, Nestor va n'y peser le... Oh, que mes amis vont piquer quand elles vont voir ça. Oh, merci Nestor, Sam. C'est 3 francs. 3 francs. 3 francs pour la carte postale, elle me coûte ça. Mais l'orthographe est gratuit. Et c'est l'orthographe qui en fait toute sa valeur. Oh ben oui. Oh ben tiens, voilà. Il n'a pas l'air de rentrer très vite, ton patron. Oh, ça, quand il part jouer aux cartes avec Monsieur Coppenole, il ne connaît ni heure ni temps. Monsieur Coppenole? Mais c'est mon patron, ça. Oh, ton patron et mon monsieur, ça, c'est une paire d'amis. Je n'ai jamais vu deux amants aussi bien s'entendre. Alors, mon patron s'entend mieux avec son copain qu'avec sa femme, hein? Le ménage ne va pas? Il va, si on veut. Il va parce que mon singe danse comme sa femme siffle, hein? Autrement... Mais ça, c'est bizarre, hein? Parce qu'ici, ton patron, c'est toujours lui qui veut avoir raison. C'est lui qui crie toujours. À la maison, c'est aussi lui qui crie, hein. Mais c'est elle qui commande, hein. Le plus beau de tous les temps du monde. Et voilà. Je suis curieuse de savoir qui a gagné la partie. Ah, tu peux voir ça, toi. Mais oui, le gagnant met toujours une boutonnière à son gilet. Ah, ce sont vraiment deux drôles de coco. Hein. C'est celui que j'ai lancé dans vos bras. Lequel est le gagnant? Oh, ben je ne sais plus maintenant. Tais-toi, Auguste! Ta chanson est une usurpation. C'est ta fleur, François, que tu arborais du manque d'une usurpation. Ouais. N'empêche que si nous avons fini à égalité, c'est que tu as triché. Ce sacré bossement. Oh, sacré comme un arbre. Tiens, est-ce qu'on va y peser? Et c'est toi. Madame m'a envoyé. Oui, 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 c'est pour me stommer, sans doute. Allez. J'ai une commission pour Monsieur Bossemans. Ah, quelle commission? Ben, à vrai dire, madame m'a envoyé pour vous parler d'un sujet... Ah non, minute. Charlotte, va un peu surveiller le lapin. Mais n'y touche pas, hein! Tu m'avertiras quand il sera à point. C'est moi qui veux lier la sauce, hein! Avec le sang! Oi, 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 mais comme si je ne savais pas faire ça! Ouais, pas aussi bien que moi! Et pour un repas de fiançailles, je veux que ce soit parfait, parfait, parfait. Ben ça c'est bien un homme encore, hein. Ça pense que ça sait tout mieux faire que nous. Et cette commission dont ma femme t'a chargée? C'est au sujet de Madame Violette.
C'est l'entretenu qui habite mon troisième étage. Ouais, je sais, une belle femme comme ça. Bien. Alors quoi, Andy? Son monsieur a raconté à madame qu'il voulait faire retapisser tout l'appartement. Son monsieur? Et un sous-directeur au ministère. Sur quoi madame, la patronne, a bien évidemment recommandé la maison Bossemans. Mais c'est naturel, ça, c'est naturel. Bien sûr. Et, monsieur Bossemans, madame, me fait-vous prévenir que vous ne devez pas oublier que c'est un client que elle vous envoie. C'est très honteux. Je reconnais bien la ma femme. Ouais, on ne perd jamais le nom, reste. Une petite commission est toujours la bienvenue, hein. Et quand madame Violette viendra sans choisir le papier peint? D'une minute à l'autre, nous sommes partis presque en même temps, moi, madame Violette et son entreteneur, mais je suis arrivé plus vite parce que je suis venu à vélo. Tu diras ta patronne. Vous le lui direz vous-même. Je ne la vois plus aujourd'hui. Comment? Tu ne retournes pas à la droguerie? Bah non. J'ai séance d'entraînement. Et il plaque comme ça son travail, comme ça, 4h dans l'après-midi, oui. Mais ça, c'est tout de même quelque chose, hein. Tu aurais pu demander la permission. Mais je l'ai demandé. Oui, à qui donc? À madame, tiens. Elle te l'a accordé? Bah, c'est sûr, ça. Madame, elle sait bien qu'il faut faire des sacrifices pour garder à son service un as comme moi. Oui, c'est déjà bon, monsieur, là, si tu peux filer. Patron, monsieur... Nestor! Pas la peine de raconter demain à madame que tu m'as vu ici. Oh, je suis pas un gamin pour apporter, hein. Patron, monsieur... Comment? Léontine ne sait pas que tu viens faire une partie de cartes avec moi. Elle croit que je suis allé voir les fournisseurs. Hein? Et tu n'as pas le droit de... Mais si, j'ai le droit. J'ai d'ailleurs tous les droits. Seulement, ma femme a du chagrin quand elle sait que je vais au café. Ça l'a fait pleurer. Alors je lui raconte des carabistouilles. Mais ça n'a évidemment pas d'importance, hein, puisque je fais quand même ce qui me plaît. Ouais, je veux bien te croire, Auguste. Je suis le maître chez moi. Ouais, mais c'est ce qu'il faut, tiens. Et c'est ce qui est. Ouais. Et tu t'en rendras compte lorsque tu intégreras mieux l'intimité de ma famille après le mariage de nos enfants. Ce mariage, Auguste, sera le plus beau jour de ma vie. Ah, mais de la mienne aussi, hein. François, ton fils épousa ma fille. Mais quel beau couronnement d'une amitié comme la leur. Ouais, une amitié qui a commencé à la maternelle. Tu te rappelles encore quand nous avons fait alliance? Si je m'en rappelle, le jour où les gamins de la chapelle te sont tombés dessus. Ouais, à trois contre moi tout seul. Ouais, je n'ai pas pu voir ça, Auguste. Et je m'en suis mêlé. Ouais, il faut dire que nous étions d'une force peu commune, hein. Ouais, mais pas de la même façon, hein, vieux, hein. Moi, j'avais tout en muscle, tandis que toi, t'avais tout en gueule, hein. Hein? Ce bon vieux Bossemans, sacré compagnon. Et en plus, notre service militaire que nous avons fait ensemble. Ouais, et nos succès dans la société d'amateurs. Tu te rappelles? Où nous chantions nos duos comiques ensemble. Ouais, regarde, regarde. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur. Que nos enfants nous approchent encore davantage, mon bon François! Oui, parce que ce soir, nous fêtons le fiançailles. Oui, et dans quelques temps, nous serons bon pas de même, petits-enfants. C'est tout ce qui restera de notre fond jeunesse. Oh, oui, mais ça y a encore même d'autres choses. Oui. Ah oui, ça, tu as raison, hein, François. Cette bonne vieille habitude que nous avons d'aller faire notre partie de cartes tous les dimanches matin, oui, en face du stade de football de l'Union. Oui! Cet estaminet ne désemplit pas les jours de match. Les voilà déjà. Qui ça donc? Ah, le carter et son ami. Et ça m'embête qu'il me voie ici. Je suis un vieil ami, Auguste. Mais non, ce n'est pas ça, c'est que j'ai dit à ma femme. Oh, et puis après tout, tant pis, hein. Je fais quand même ce qui me plaît. Monsieur? Ah, mon cher propriétaire. Mais figurez-vous que nous venons à peine de quitter votre dame. Oui, mais ça, je sais déjà. Comment vous savez? Comme ça, vous allez retaper votre appartement. Ah, ça, vous le savez déjà également. Il n'y a que 2 heures que ça a été décidé, cependant. Voilà, c'est que quand on vient chez le tapissier, c'est généralement vous faire retapisser, pas vrai? Voilà. Allez, je vais vous montrer alors, hein, toute notre collection. Attendez. Ah, voilà, non. Non, ça, ce n'est pas beau, c'est pas beau. Alors, si c'est pour une salle à manger, c'est pas beau. Ah oui, voilà un petit papier peint que je vous recommande. Il vient de sortir. Ah, oh, regardez-moi
fleurs, là. On croirait sentir leur parfum. Une pièce tapissée comme ça, ça nous donne l'impression qu'on mange dans son jardin d'hiver. Alors, ça, encore une... Oh, mais... Oh, excusez-moi, je vous laisse de boire. Asseyez-vous. Pas mal, en effet, mais comment penses-tu, Eliassin? C'est à décider, ma chérie, puisque c'est pour ta salle à manger. Ça revient à combien, le rouleau? 8 francs. Ah, bah, 8 francs avec 10% en plus. Quel 10%? Mais... 10% pour les congés payés, je pense. Ouais, c'est ça, 10% pour le congé payé. Alors, ce dessin vous plaît? C'est difficile à juger comme ça. Je pourrais me le voir en rouleau. Oh, certainement. Joseph, chef que arrive une fois. Joseph, c'est mon fils, hein. Il est plus jeune que moi. Il va vous montrer ça. Chef que Joseph. Mais n'est-ce pas lui qui doit épouser votre demoiselle, monsieur Coppenole? Oui, oui, nous fêtons même ce soir le fiançailles ici. Ah, ça prend un joli coup. Ça, on peut le dire. Splendide même. Comme nous l'avons été, n'est-ce pas, ma chère? Hélas, chère. Ah, il faut dire que je connais peu de jeunes filles aussi gentilles que ma Georgia. Ouais, ni beaucoup de garçons aussi beaux et si solides que mon Jeff Kerr, hein. Mais est-ce que ton gamin n'a pas fait à un moment donné partie d'une équipe scolaire de football? Ouais, comme gardien de but. Ses équipiers prétendaient que c'était un crack, mais il n'a pas continué. Comment? Un as? Il a eu le courage d'abandonner ce noble sport. Oh, il faut absolument qu'il s'inscrive à l'Union. Oh, pardon, il faut qu'il s'inscrive au Daring. Mais laisse-nous donc un peu tranquille avec ton Daring. Toi et ton Union. Mais tu ne nieras pas que c'est une équipe de nouilles. Si je le nie, c'est ton Union qui n'est composée que de savates. Des savates? Parfaitement, demande donc l'avis à M. Coppenole. Oh, ben, il va être du même avis que toi. Lui aussi est supporter du Daring. C'est la preuve qu'il s'y connaît en football. Non, c'est la preuve qu'il n'y connaît rien du tout. Croyez-moi, M. Bosman, si vous voulez que votre fils vous rende fier, mais faites-le inscrire à l'Union. Oh, Daring! Il ne se fera inscrire ni à l'un ni à l'autre. Et pourquoi? Ben, il va prendre femme, dites. Ben, ça n'empêche pas. Malheureux. Courir derrière un ballon, hein, comme un jeune gamin, là, avec des jupes courtes, là, quand même. Non, ce n'est plus une occupation pour un homme marié, hein. Un futur père de famille, peut-être, hein. Excusez-moi, mais je dois vous brûler, la politesse. Ah, tu retournes chez toi, Auguste. Ben, je dois passer chez mon fournisseur de pâte pectorale. Il faut bien que j'y aille, parce que je l'ai dit à ma femme. Mais je reviens évidemment ce soir pour le souper de fiançailles, hein. Heureux gaillard. Allez, à tout à l'heure. Madame, François, monsieur. Tu m'as rêvé. Oui, monsieur. Montre une fois à madame et à monsieur nos dernières nouveautés. Madame, j'en dirai seul. Hein. Pour que ça lui plaise, moi, c'est tout ce que je demande. Pour salon, salle à manger ou chambre à coucher? Ah, pour tout. L'appartement doit être complètement remis à neuf. Et surtout, ma chérie, ne lésine pas. Choisis ce qui te plaît le mieux, quel qu'en soit le prix. Oh, je t'en prie, Hyacinthe, plus un mot, ne m'attendrez pas. Par ici, madame. Madame Violette est charmante, monsieur. Oui, malheureusement, elle a une phobie. Une phobie? Terrible. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Ma défunte avait bien une flébite. Même qu'elle en est morte. Une phobie, c'est une obsession, un parti pris irraisonnable dont on ne sait pas se défaire. Oui, toujours comme feu, ma défunte, on ne lui aurait pas fait manger du fromage de harf pour tout l'or du monde. Les femmes ont de cellulite. Mais oui, ça ne nous a pas empêché d'être heureux en ménage, savez-vous. Ben, quand il ne s'agit que de fromage, ça peut toujours s'arranger. Ouais. Donc, madame Violette aurait donc une chose comme... Une phobie. C'est grave, ça, monsieur. Pensez donc. Elle est, ben, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, anti-daring. Hein? Hein? Et c'est grave, ça, monsieur, une infirmité. Infirmité mentale. Tenez. Vous ne comprenez donc pas. C'est... Enfin, pas complètement, enfin, pas tout à fait, pas très bien, non. En d'autres mots, elle méprise les joueurs de la fameuse équipe molenbeekoise, les rouges et noirs. Alors, comme ça, elle les méprise? Oui, elle leur préfère, mais alors comment est-ce possible, les jaunes et bleus de l'Union Saint-Gilloise? Oh, mais c'est une opinion, ça, monsieur, c'est une opinion, ça! Très mauvaise opinion, très mauvaise, monsieur.
Ah bon, vous croyez? Mais je ne vous permets pas d'en douter un seul instant. Bon, c'est comme vous voulez, hein. Moi, je n'ai aucun parti pris, hein. Ah, si Violette était comme vous, sans parti pris, ben nous n'aurions jamais eu des mots, hein. Pas possible. Vous vous êtes disputé pour des belles histoires de faux paumes. Mais rendez-vous compte, monsieur Bosman, elle avait le toupet de vanter le jeu de ces slashes de Saint-Gilles. Pendant les matchs, elle les applaudissait follement. Ah, elle leur a même jeté des fleurs. Ah, mais c'est très gentil, ça, monsieur, jeter des fleurs. Non, monsieur, impardonnable, monstrueux. Jeter des fleurs au jour de l'Union Saint-Gilloise, quand on est l'ami officiel du vice-président d'honneur des super supporters du Daring de Molenbeek. Ah, vous êtes le super vice-président d'honneur de Zouzantelette. Oui, monsieur. Et vous voyez ici la situation. À chaque rencontre, mon ami et moi, on se disputait dans la tribune du stade. On se disputait au café. On se disputait en rentrant. On se disputait au lit. Et on se disputait toute la semaine, si pas plus. Ouais, vous ne faisiez plus que ça, alors. Exactement. Mais quel enfer, dites. Mais plus maintenant. Ah non, ça finit par s'arranger, alors. Non, monsieur, impossible, pas du tout. Nous avons décidé de nous séparer. Il fallait en arriver là, sinon on serait terminé par un drame. Pire, par un meurtre. Mais je ne comprends plus très bien. Vous vous séparez, vous faites refaire à neuf tout l'appartement. Et à mes frais encore bien, mon cadeau de structure en quelque sorte. Je laisse également à Violette les meubles et je continue à payer le loyer jusqu'au jour qui, j'espère, ne serait tardé où elle m'aura remplacé. C'est un beau geste, ça, monsieur. Un geste chevaleresque, monsieur. Je le lui devais, une si gentille personne, enfin, quand elle veut. Oui, et très joli avec ça, hein, madame Violette. Superbe, vous voulez dire. Savez-vous qu'il lui a manqué que 3 voix pour être proclamé Miss Wallonie. Miss Wallonie, voyez-vous ça, Miss Wallonie. Et sa rivale, qui a remporté la palme, était bien moins jolie qu'elle. Ouais, ça je veux bien le croire aussi, monsieur, ça je veux bien le croire. Seulement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Oui, mais je comprends. Le jury, ce sont des hommes. Et Violette, la vertu mère. Mais ça se voit directement, ça saute aux yeux. Et avec ça, une cuisinière hors pair, un véritable cordon bleu, qui vous prépare de ces petits plats fins. À se lécher les doigts, alors. Oui. Et je lui souhaite de rencontrer pour la vie, non plus cette fois un concubin, mais... Un con quoi? Un concubin. Enfin, je ne trahis pas un secret. Violette et moi n'étions pas unis par les liens du mariage. Et elle mérite beaucoup mieux qu'une situation aussi fausse. Ouais, elle le croit aussi, ça le croit, une si jolie, gentille personne. Elle mérite de rencontrer un brave homme, pas trop jeune. Elle n'aime pas les blancs becs, elle n'aime pas les blancs becs. Elle ne peut les souffrir. Ses préférences vont vers les hommes d'âge mûr. Ah, je vois. Oui, des personnes ayant encore de beaux restes. Vous avez compris. C'est une femme qui a du goût, ça, monsieur. Mais du bon sens, en plus. Elle devrait rencontrer un futur mari dans ce genre. Par exemple, un commerçant aisé. Comme vous. Moi? Puis-je vous offrir un cigare, monsieur? Merci. Et vous ne me croirez peut-être pas, hein? Mais si, je vous crois. Asseyez-vous, monsieur. Je me rends compte que j'ai affaire à un brave homme. Vous pouvez le dire. Et le jour où Violette convolera en juste noces, j'en aurai le cœur brisé, déchiré. Ah ben ça se comprendrait, monsieur, ça se comprendrait. Mais je serai quand même heureux de l'avoir heureuse avec un autre. Oh, vous avez une belle nature, monsieur. Laissez-moi vous serrer la main. Voilà. Oh, y en a plus. Ce sera Bruno, quoi, c'est bien aimable. Et je vois que vous compatissez. Mais de tout cœur, monsieur, de tout cœur. Et même je vous vois tellement triste que j'ai envie de faire quelque chose pour vous. Quelque chose pour tâcher d'adoucir un peu cette première soirée de séparation. Ah, et quoi donc, monsieur? Eh ben voilà. Comme je vous l'ai dit, ce soir, je donne un repas pour fêter les fiançailles de mon fils, de mon gamin, avec la jeune Georgette Coppenol, la fille. Voulez-vous être des nôtres, monsieur? Ça vous changera un peu de vos idées noires. C'est bien aimable, mais
Vous comprenez, moi seul... Mais vous et Madame Violette, bien entendu. Ce sera comme qui dirait votre stupide adieu. Si ce n'est pas abusé... Mais non. Pensez-vous donc... Eh bien, voilà. Si Violette accepte, j'accepte aussi. Eh bien, on va le lui demander tout de suite. Non, je n'ai plus le temps. J'ai une importante réunion de comité, je dois y être et je suis déjà en retard. Ah, et comment allons-nous faire alors, monsieur? Elle vient qu'à me téléphoner sa réponse au local du club. Elle n'a jamais voulu y mettre les pieds, mais elle m'a souvent téléphoné pour m'enguirlander. Oui, j'espère que cette fois-ci, ce sera pour vous dire qu'elle accepte mon invitation, hein? Oh, il n'y a pas de raison qu'elle refuse. Quoi qu'avec une femme, on ne sait jamais. Oui, allons. Alors, à tout à l'heure, hein, monsieur. Attends, j'y pense. Si jamais vous voulez apporter des fleurs, hein, évitez les jaunes, les bleus, les rouges, les noirs. Ça pourrait causer des problèmes. À tout à l'heure, monsieur. Et merci pour la part importante que vous preniez à mes déboires sentimentaux. Mais une grappe, hein, monsieur, une grappe. Et merci pour l'invitation. De rien, monsieur. Et merci pour les cigares. De rien. Ça ne manque. Se séparer d'une belle femme comme ça pour des histoires de football. Mais faut-il que les hommes soient payés? Ce n'est pas à moi que ça arrive, ça, Gottverdomme. Ah non, ça! Voilà, ça y est! Ah oui, vous avez trouvé ce que vous désirez? Oui, enfin, sauf pour la chambre à coucher. Ah! Mais comment ça se fait-il? J'ai pourtant un grand choix. Peut-être que, Madame Violette, vous voudriez comme ça un papier un peu louf, dans le genre intérieur de cinéma. Oh non, au contraire, je préfère l'ancien. L'ancien? Tenez. Vous préférez l'ancien même pour le papier de votre chambre à coucher, alors? Mais oui, ça s'harmonise mieux avec ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans? Tenez. Mais, par exemple, une reproduction de Toile de Jouy avec des marquises de Pompadour, des tempes d'amour, des petits cupidons. Oui. Ce qu'on a rêvé de jolies choses dans une chambre à coucher tapissée comme ça. N'est-ce pas? Et pas seulement les rêver, hein, Madame Violette. Oh, Monsieur Bosmans, mais vous faites l'effet d'être encore un sacré polisson. Oh, je n'ai jamais eu le caractère d'un termite, savez-vous, moi. Et maintenant que je suis veuf, je l'ai moins que jamais. Moins que jamais, vous m'entendez, hein? Vous pouvez me croire. Est-ce que je n'aurais pas raison, Madame Violette? Mais certainement, Monsieur Bosman, certainement. J'ai toujours fréquenté pour le bon motif. Vous vous souvenez encore du temps où vous faisiez ça? Oh, peut-être si je m'en souviens. J'espère encore le connaître une seconde fois ce temps-là. Je n'aurais pas raison, Madame Violette. Ah, je ne dis pas non. D'autant plus que mon gamin se mariant bientôt, je vais me retrouver tout seul dans la vie. Ah, ce n'est pas drôle. Oh, non. Surtout pour un homme comme moi, qui, comme disait quelqu'un tout à l'heure, a encore de beaux restes. Mais en effet. Ah, vous trouvez aussi que j'ai de beaux restes, Madame Violette. Oh, mais Monsieur Bosman, ce sont mieux que des restes. Vous avez un tel dynamisme. Ah, je peux vous offrir une petite quelque chose. De volontiers. Du dur ou du doux? Oh, liqueur, je n'ai pas de préférence. Ah, ce n'est pas comme avec les clubs de football, alors. Ah, comment vous savez? Oui, votre ex-ami m'a expliqué. Ah, vous savez donc également que nous nous séparons à l'amiable. Oui, je sais tout. Mais que l'imbécile tout de même posséder un trésor tel que vous. Un trésor, c'est beaucoup dire, c'est trop aimable. Mais non, pas du tout. Je sais très bien que vous êtes intelligent. Une femme d'intérieur parfaite, que vous confectionnez les petites places en léchant les doigts et que vous avez failli être élu Miss Wallonie. Il y a ça, vous a dit ça? Oui. Il a même ajouté que si vous vous mariez sur quelqu'un, par exemple, un commerçant aisé, dans le genre de... Enfin, comme ça. Ben, elle en aurait du chagrin.
mais il serait quand même heureux de savoir que vous avez été recasé. Oh, il a dit ça. Regardez. C'est tout de même chic, mais comme je l'ai aimé. Ouais, mais maintenant, c'est fini, hein. Oh, je ne sais pas trop. Non, c'est fini, je vous dis. Vous ne pouvez pas continuer à aimer un homme comme ça. Un homme qui préfère sa société du dating à la société de son ami, hein. Ah, d'autant que ma société est incontestablement la meilleure. Bah, incontestablement, hein. C'est moi qui voudrais profiter sur votre société. Oh, mais il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de verser votre cotisation pour en faire partie. Hein? C'est de cette société-là que vous parlez, vous. Bah, et vous, à laquelle faisiez-vous allusion? Ouais, non, la même, ouais. Il y a longtemps que je me disais comme ça, François! François, c'est mon petit nom, hein. François, tu devrais une fois te faire membre de l'Union Saint-Gilloise. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Plus comme membre actif. Non, ça donne. Ça ne sait pas que je ne saurais plus jouer avec, hein. Non, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas mon agilité, vous savez. Seulement à chaque âge, c'est plaisir. Voilà. Non, membre actif, ce serait plutôt l'histoire de mon gamin. Mais c'est exactement ce que je vous disais. Ce serait une très bonne recrue pour l'Union. Eh ben, puisque je vois que ça vous fait tellement plaisir, hein, madame Violette. C'est quoi? Ouais, c'est dit. Voilà, mon Joseph va devenir membre actif. Oh. Et moi, qu'est-ce que je serai dans votre club? Membre bienfaiteur. Il y aurait pas moyen de devenir membre d'honneur. Ça sonne mieux, hein. Bon, ben, je tâcherai d'arranger ça avec le président de l'Union. Je peux vous offrir une petite goutte de quelque chose, madame Violette. Vous me l'avez déjà demandé tout à l'heure. Et j'ai répondu oui. C'est vrai. Oh, vous voyez, on serait sous sans le savoir, hein. Mais faut m'excuser, je crois que je paierai un peu la tête. C'est tout de même pas moi qui vous la fait perdre. Mais sait-on jamais, madame Violette? Et si c'était vous, madame Violette, quel mal y aurait-il? Aucun. Vous voyez bien, hein? Bon, je bois. À notre sympathie spontanée qui vient de naître. Oh, pas de mon côté, hein, vous savez. Non. Il y a des années que je ressens quelque chose pour vous, moi. Vous dites ça? Non, je le jure. Chaque fois qu'on allait chez les copains, je vous voyais rentrer et sortir avec votre ami, là. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il est heureux, ce gaillard! Fréquenter une belle femme comme ça! N'appréciez pas son bonheur à sa juste valeur. Un imbécile, je vous dis! Oh non, simplement un pauvre être qui ne comprenait pas ma psychologie. Votre bébé, c'est comme... Comment est-ce que possible, ça? Comment ne pas vous comprendre? Vous employez bien, madame Violette, de temps en temps des mots un peu extraordinaires, mais quand on est intelligent, on devine tout de suite ce qu'ils veulent dire. Je veux parler des histoires de cœur. Ouais. Mais ils ne sont pas beaucoup qui savent le comprendre, hein, madame Violette. Ah, et vous savez? Oui, comme ça, un petit peu. C'est comme le langage des fleurs, madame Violette. Ah oui, comme la marguerite qu'on effeuille. Ils m'aiment un peu, beaucoup, passionnément. Non, ça c'est des carabistouilles, ça. Non, je parle du vrai langage des fleurs. Ouais. Ainsi, le myosotique qui veut dire « ne m'oubliez pas ». Ah, ça, je le savais. Elle est mortelle. Je vous aimerai éternellement. Tiens. Ouais. Et la pensée. J'ai une idée sur vous. Et l'héliotrope. Si tu veux, je veux. Et la violette. Au fond de mon cœur. Et les roses. Charmante beauté. Si je recevais un bouquet composé... de roses, de pensées, d'immortelles, d'héliotropes et de violettes. Eh bien, ça voudrait dire, charmante beauté, j'ai une idée pour vous au fond de mon cœur. Je vous aimerai éternellement. Si tu veux, je veux. Qu'est-ce que vous dites en bas de ça?
Oh ben, je serais bien embarrassée de recevoir un pareil message. Embarrassée, mais pourquoi donc? Je ne saurais pas comment répondre dans le même langage. Ben vous n'auriez qu'à lui envoyer une branche de lilas. Du lilas? Oui. Ça signifie? Je veux moi aussi. Mais si c'est pas la saison du lilas? Ah ben vous pourriez envoyer une branche artificielle. Ça voudrait même dire que mes sentiments ne flétriront jamais. Voilà, voilà. Yo, mais quel esprit vous avez! Mais je me demande bien où vous allez chercher tout ça, madame Violette. Oh, monsieur Bosman, mais cessez de trouver des qualités ou je vais me fâcher. Vous fâchez sur moi? Ça, je voudrais bien voir. Comme vous êtes, c'est vrai, je ne pourrais pas. Non. Ouais, c'est comme moi sur vous. Hein. Encore une petite goutte de quelque chose. Volontiers. Bon, qu'est-ce que vous faites le dimanche? Ah ben, pendant la saison de football, j'assiste à tous les matchs, même en déplacement. Ah, eh ben, c'est ce que je vais faire aussi maintenant, parce que je deviens membre de votre club, là. Ben, ça nous donnera l'occasion de nous rencontrer de temps en temps. Tous les dimanches, je vous dis. Et vous pourriez même me garder une petite place à côté de vous, hein. Dans la mesure des possibilités, pourquoi pas? Et comme ça, vous pourriez m'expliquer le jeu de football, parce que moi, j'y comprends rien du tout. Hein. Rien du tout, c'est pas ça. Un ballon par-ci, un ballon par-là. Bon, ben, très bien, je vous initierai. Oh, et vous verrez, quand vous arriverez à suivre le match en connaisseur, mais c'est passionnant, surtout en cas de victoire de l'Union. Alors là, c'est... Mais c'est passionnant, en... passionnant, passionnant. Ah, ça, je vous crois que c'est passionnant, madame. Monsieur Bosman, qu'on vous serrait. Ouais, excusez-moi, je ne l'ai pas fait en exprès. La perspective d'assister à de beaux matchs vous excite déjà. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais tout à fait, alors. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point cette perspective m'excite. Vous avez tout pour faire un parfait supporter. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Madame Violette, les beaux dimanches que nous allons passer ensemble. Ah, vous croyez? Ah, et qui sait, peut-être pas que les beaux dimanches. Et quoi donc? Ça, je vous le dirai une autre fois, Madame Violette. Et quand? Quand l'occasion se présentera. Tenez, quand j'oserai dire à vous ce que je n'ose pas encore me dire à moi-même. Mais voici le retour. Georgette et ma femme ne sont pas encore arrivées. Non, toujours personne, Auguste, toujours personne. Ah, monsieur Coppenole, quoi que monsieur Eliassin continuera à payer le loyer, je vous prierai de mettre dorénavant l'équipage en mon nom. Ah, pourquoi ça? Bah, c'est plus régulier. Mais oui, hein, du moment que ce monsieur cesse d'habiter avec madame. Comment il cesse d'habiter? Oh, avec la tête. Mais je ne vous ai pas annoncé la grande nouvelle. Madame Violette et son amie se séparent. C'est bon. Il le fallait bien. Je ne sais pas si je dois vous présenter mes félicitations ou mes condoléances. Un peu lent. Tout de même, ça fait quelque chose, hein? Après 7 ans de vie commune. Ouais, mais pas cette année de bonheur commun, hein, Auguste. C'est ton affaire. Mais j'ai quand même connu le bonheur avec Eliassin. Ouais, mais pas beaucoup, madame Violette, pas beaucoup. Oui. Surtout aux époques des matchs de football. Ah, t'es au courant, Auguste? Non, peut-être. Mais nous étions aux premières loges pour les entendre. Qu'est-ce qu'il pouvait s'en irlander? Ouais, c'était sûrement son ami qui faisait son nez. Pas seulement. Madame n'est pas non plus en reste de voix. N'est-ce pas, madame Auguste? Ma foi, je me laisse pas faire facilement. Ah, ben tiens donc, mais vous avez 1000 fois raison, hein, madame Violette, 1000 fois raison. Elle avait seule qu'elle faisait mon lit. Ah, ça, pas moi seule. Ça, d'accord. Ça a été réglé comme du papier à musique. Quand l'Union était battue, vous la faisiez voler. Et quand ça a été votre ami, quand c'était le D-Ring, ça a été votre ami qui la faisait voler. Et dans tout ça, il n'y en a qu'un qui gagna tous les coups. Ah ouais, qui donc? Ben, le fabricant de porcelaine, tiens. Tout ça, c'est le passé. Oui. Et ma femme a raison. Si elle avait dit, si ce scandale doit encore rester et continuer à durer, je leur donne congé vite fait. Madame Coppenole a osé dire ça? Oui, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, hein. Tout ce qu'elle dit de Madame Coppenole, là, quand je n'ai pas décidé, il n'y a quand même rien de fait. Oui, Coppenole, puisque tu le dis, hein? Ça est bien connu. Bon, mais je vous laisse. À tout à l'heure, Madame Violette.
Mais comment, à tout à l'heure? Oh, mais suite, monsieur Frey, je ne voulais pas encore dire, mais où est-ce que j'ai la tête, mon Dieu? Vous êtes tous les deux invités, hein, votre ex-amie et vous, au repas en repas de fiançailles que je donne ici ce soir. Oh, merci, monsieur Coppenheim. Mais je n'étais pas au courant de cette invitation. Non, c'est moi. Parce que je savais que ça te ferait plaisir, Auguste, à Léontine, on sait. Hein? Tu croyais que ça ferait plaisir à Léontine? Mais certainement, hein, des bons locataires de longue date comme ça, toi. Ouais, mais ça n'est pas une raison, hein, François. Tu aurais pu aussi inviter tous les habitants de mes 5 immeubles. Tu vois où ça nous aurait mené? Ah, si c'est contre votre goût, monsieur Coppenheim. Mais pas du tout, madame Violette, pas du tout. Vous êtes notre invité, vous le restez. Hmm? Si je disais ça à François, ça a été manière de parler. Ouais, mais plus on est fou, plus on s'amuse, hein, dis. Ouais, mais quand même, tu y vas fort, hein, François. Un repas de fiançailles, ce n'est quand même pas une soirée de party. Non, c'est pas une soirée de party, mais c'est pas un repas d'enterrement non plus, hein. Non, c'est quelque chose entre les deux. Et à qui as-tu envoyé cette invitation? Alex, ami de madame Violette. Il a dit qu'il venait à la fête? Il a dit que ça dépendait de vous. Oh. Il vient si vous venez. Oh, je reconnais bien là. Mais quand il veut, il n'y a pas plus délicat que lui. Oui, et puis un bon gueuleton, personne ne crache là-dessus, hein? Oui, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Bon ben, c'est entendu, monsieur Bosmans. Ce soir, nous serons des vôtres. Ah, et comment Elia Saint-Saurage accepte l'invitation? Ah, il a demandé que vous lui téléphoniez au local de son club de supporters. Il a dit ça? Il a dit. Le mufle! Le mufle! Me dire ça à moi! De téléphoner à son abominable club le jour de notre séparation! Vous voulez que je le fasse à votre place? Ah non, laissez! Je vais m'en occuper moi-même! Mais qu'est-ce qu'il va m'entendre? Messieurs, à tout à l'heure! Eh bien, ça nous promet du plaisir pour ce soir, hein? Tu ne penses même pas qu'ils vont se disputer chez moi à table? Non, ils vont se gêner peut-être. Je les ai même presque vus se battre sur le stade. Ouais, mais là-bas, c'est à cause du match de football. Mais ils ne pourront s'empêcher d'en discuter! Crois-moi, François, il n'a pas idée à quel point un supporter, ça peut être insupportable. Tiens, je connais une femme comme ça, hein? Une grande ménagère. En temps ordinaire, elle n'est pas plus embêtante qu'une autre. Eh bien, si son club favori a été battu, pendant toute la semaine, la maison n'est plus tenable. Tant elle crie. Mais non, hélas, si elle ne faisait que crier. Non, son mari crierait évidemment plus fort qu'elle. Non, non, elle pleure. Elle pleure sous le déshonneur de l'équipe. Sous l'injustice du sort, sous l'injustice de l'arbitre. Et si son mari, qui est d'un caractère plutôt jovial comme ça, a le malheur de rire ou de pleurer, elle le traite de sans-cœur, elle pique une crise de nerfs. Alors pour éviter cela, le malheureux castard se promène chez lui avec des airs de croque-mort, et leur fille en fait autant. Veux-tu que je te dise, Auguste, ce pauvre mari n'est qu'un pauvre succulaire? Mais non, ce n'est pas un pauvre succulaire. C'est même un homme intelligent, énergique, autoritaire comme pendu. Et tout. Seulement, il n'aime pas le drame. Alors, pour éviter que, pour des histoires de stupides football, il veut éviter que son ménage ne vole en pièces détachées. Et je connais ce ménage, mon Auguste? Non, ce sont les relations à ma femme. Mais enfin, François Kennedy, tu as eu d'inviter ce couple découplé. Mais je croyais vous étiez des amis intimes, Auguste. Intimes avec le locataire? Ça jamais, hein? Il n'y a rien de plus mauvais. Il profite aussitôt de l'intimité pour me demander des réparations locatives ou une diminution du loyer, tiens. Oui, moi je me demande ce que ma femme m'a dit de cette invitation, hein? Moi je croyais que tu étais le maître chez toi, mon Auguste. Enfin, ça oui, le maître absolu. Mais enfin, dans le cas présent, elle a quand même bien le droit de donner son opinion, non? Bien sûr. Mais enfin, ce sont quand même des gens fréquentables, hein? Oui, je ne dis pas. Sous-chef au ministère, mais elle... Il y a quelque chose à dire sur son compte? Une personne qui a l'air si aimable, si convenable. C'est tout le contraire, hein, François. Tout le monde lui trouve mauvais genre. Ouais. Tout le monde, ça veut dire ta femme. Allons donc, ma femme. Ouais, monsieur. Elle est sans doute jalouse de madame Violette parce qu'elle ne sait pas attraper son chic parisien. Monsieur, je te prie de laisser ma femme un peu tranquille, hein. Et toi, tu te permets bien de critiquer cette aimable Violette. Mais enfin, dis, ma femme est ma femme, tandis que cette personne ne fait pas encore partie de la famille, que je sache. Non, elle ne fait peut-être pas partie de la famille, mais... Mais
enfin, tenez donc heureusement encore. Et pourquoi heureusement? Non, mais des fois, tu nous vois déjà sortir avec une, en famille avec une personne comme ça. Une personne qui a du violet sur les ongles, du rouge sur les lèvres, du noir autour des yeux. Mais du rouge, du violet, du noir, ça n'a jamais empêché une femme d'être honnête. Oui, on dit ça. T'as jamais la preuve. Tu sais que Madame Violette, là, elle a été à 3 mois près d'être couronnée Miss Wallonie. Ça, tu le savais pas, ça, tu le savais pas. Mais si, je le savais. Ouais. Ouais, et tu sais pourquoi elle n'a pas été élue? Ah non, hein. Parce que les membres du jury voulaient avec. Tu comprends? Eh bien, si Madame Violette a été tout ce que tu dis, là, ben, elles auraient eu ces 3 voix de préférence, hein. Et bien d'autres en plus de voix de préférence. Mais dites un peu, mais enfin, qu'est-ce que tu as comme ça à prendre en défense de ma locataire? J'ai que j'ai horreur de l'injustice, Auguste. Et tu es injuste pour cette pauvre Madame Violette. Car elle a eu le malheur de perdre son ami, de le trouver sans dans la vie, peut-être sans moyen d'existence, sans soutien. Sans soutien? Ça, j'ai pas été voir, hein, François. Mais moyen d'existence, là, de si tu te trompes. Madame Violette a de quoi? Elle a de quoi? Non, mais enfin, il me semble bien que tu as des idées sur elle. Mais combien même j'en aurais? Mais c'est pas vrai! Je n'aurais peut-être pas le droit de me remarquer avec qui je veux sans ton autorisation, Auguste! Mais ça, je ne dis pas le contraire! Ce droit, tu l'as! Marie-toi! Mais marie-toi si ça est ton goût! Je n'ai rien à dire, la compte! Mais pas avec cette poupée, hein, François! Ce n'est pas une femme pour toi! Ah, c'est une femme pour qui, hein? Pour personne! Et en tout cas, pas pour toi! Enfin, ce qu'il te faut, ça est une femme de ton âge, une bonne ménagère, une commerçante, hein, qui te fera aller tes affaires! Mais enfin, mais on ne prend pas seulement une femme, Auguste, pour faire tourner ses affaires! Oh, toi, tu penses encore à autre chose, hein, François? Non, ça, doute! C'est comme ça, tout de même! Et toi, pas sans doute! Avec Léontaine, me rends-toi compte! Eh ben, tu vois, moi, Auguste, je ne veux pas commencer comme toi, tu finis. Ouais, ouais, tu préfères épouser une femme qui te fera cocu! Auguste, ça, c'est pas des choses à dire, hein! Entre vieux amis, on peut tout se dire! Et puis, il y a encore un inconvénient! Ah ouais, ouais, lequel? À mon avis, Marie va être le maître chez lui! Mais ça se passait comme ça avec ma défunte, hein! Ouais, mais ça ne se passera pas comme ça avec Madame Violette, hein, François! Avec elle, tu pourras toujours essayer d'avoir le dernier mot, même l'avant-dernier! Ça, ce n'est pas comme moi avec Léontaine, hein! Ouais, en société, parfois, elle parlera la contre pour ne pas avoir l'air. Mais entre quatre yeux, tout ce que je dis est par ordre d'évangile. Je suis le maître chez moi, le maître absolu. Comme Hitler en Allemagne ou Mussolini en Italie. Et quand je dis je veux, je... C'est elle avec ma fille, pas moi devant elle, François. Pas moi, hein. Monsieur Vossemans, j'ai le chagrin de ne pas pouvoir te faire de compliments sur l'arrangement de tes vitrines. Tu devrais une fois aller voir les magasins des grands boulevards et de la rue Neuve pour te rendre compte de comment on fait maintenant. Mais enfin, mais je n'ai pas la même clientèle. Il faudrait tâcher de la voir. Enfin, quand notre petite Georgette sera devenue la femme de ton fils, elle s'organisera bien pour moderniser tout ça, n'est-ce pas, petite Georgette? Oui, maman. Mes locataires sont venus. Oui, tous les deux. Même qu'elles ont... Que quoi? Qu'elles ont changé du papier peint. C'est pour ça que je les ai envoyées. As-tu pensé à ma commission? Oui, comme de juste, Léontaine. C'est bon. Georgette, tu peux donner une baise à ton futur beau-père. Oui, maman. Bonjour, monsieur Vossemans. Il me semblait bien que je vous entendais. Je peux aussi une fois. Pas avant que ton père et monsieur Coppenol aient échangé leurs paroles et fixé la date du mariage. Mais c'est comme si c'était fait, Léontaine. Ce qui est comme si c'était fait n'est pas encore fait. Ma femme a raison, hein. Les convenances sont les convenances. Ouais, mais pour toi, Léontaine a toujours raison. Ouais, mais même si elle n'avait pas raison, je ne me gênerais pas pour le lui dire. N'est-ce pas, Léontaine? Mais comme ça n'arrive jamais. Tu veux un martini? Mussolini! Ça ne te donnera pas des aigreurs d'estomac, Léontine? Si on devait toujours regarder à ça, une femme est quand même née
J'oubliais, père, tu ne m'as pas dit qu'on devait aller chercher une tarte pour le dessert. Oui. Et Georgette viendra avec moi pour choisir. Pas encore rester trop longtemps dehors, hein? Madame Léontine, vous avez une préférence pour la tarte? Pas la peine de regarder à ça. Une femme de mon âge, est-ce qu'on regarde à ça? Prenez seulement ce que vous aimez le mieux. Seulement, je vous préviens, si c'est pas un mocha, j'en mange pas. Eh bien, c'est entendu, nous vous rapporterons un mocha. Dussions-nous faire toutes les pâtisseries de la ville. Encore un prétexte pour rester trois quarts d'heure parti. Oh là là, cette jeunesse, hein. C'est tout de même un joli couple. Ouais, mais malheureusement, ma petite Georgette, c'est une jolie perle. Et je vais la perdre pour de bon. Mon Joseph a aussi beaucoup de qualités, vous savez. Oh, nature, ça. Je lui donnerais pas ma fille s'il n'était pas comme ça. Et en plus, bien balancé, à votre... On voit qu'il a fait du sport, hein, mon Joseph. Ouais, et pourquoi qu'il en fait plus? Ah, tu trouves aussi qu'il a eu tort de plaquer son football, toi? Nature, ça, évidemment. Ben, c'est pourtant toi, parce que tu m'as demandé de quitter mon équipe de football quand nous sommes mariés. Ouais, parce que malheureusement, tu as toujours joué comme une flave, une mazette. Une flave, une mazette, quoi encore? J'avais honte et peine pour toi. J'en pleurais en secret. Et dire que mon Joseph avait de grandes dispositions comme gardien de but. Ben ouais. Mais raison de plus pour qu'ils s'y remettent. Oui, 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 ça doit être flatteur d'être la belle-mère d'un grand joueur qui a sa photo dans les journaux et tout. Mais tu es déjà la patronne d'un joueur qui a sa photo dans les journaux, hein. Malheureusement, il fait quand même pas partie de la famille. Hein. Tiens non, un vilain snob pareil. Tu as ton avis sur ce garçon. Tu me permets d'avoir le mien, j'espère. Eh ben, à propos de football, hein, je voudrais simplement et juste vous annoncer que Jessica et moi, on va... Monsieur Mans, si vous voulez vous parler au divers, il est temps de vous parler. Oui, voilà, je vous dirai ça tout à l'heure, hein. Oui, pendant le repas. Cette surprise qui fera plaisir à toi et à Léontine. Si vous avez encore envie d'apéritif, ne vous gênez pas, hein. La bouteille est là pour ça, hein. Tenez. À propos de football, j'ai une bonne idée. Je vais faire inscrire Joseph au Daring. T'as encore devenir folle avec ton Daring. Qu'est-ce que c'est que cette façon que vous avez de me parler? Mais tu as bien dit devant Monsieur Bossemann que je jouais comme une mazette. Ce n'est malheureusement pas vrai, sans doute. Mais enfin, est-ce que je n'ai pas été un centre avant réputé? Est-ce que je n'ai pas disputé des matchs en division d'honneur? Tu les as peut-être disputés. Malheureusement, tu les as toujours perdus. Mais bon, enfin, je n'étais quand même pas seul sur le terrain. Nous étions 11. Tu ne devrais quand même pas l'oublier, Léontine. Et toi, tu ne dois pas oublier, Auguste, que je t'ai épousé contre mon goût. Eh bien ça, je me demande comment je pourrais faire pour l'oublier, hein? Ça fait au moins depuis 20 ans que tu me le répètes deux fois par semaine. La vérité peut être dite. Oui, mais tu aurais mieux fait de m'en avertir avant notre mariage, non? Mon père me l'avait défendu. Et moi, je suis d'une génération où les enfants obéissent encore à leurs parents. Ben oui, trop, malheureusement, beaucoup trop. Oh, si j'avais osé écouter mon cœur. Oui, je sais. Tu aurais épousé à l'Hercule de la frère du Midi. Il faut pas dire ça, Auguste. Quand j'ai connu ce garçon, il était gardien de but au Daring. Et comme il bouchait, il est monté dans la baraque sur la foire que bien plus tard, bien après mon mariage avec toi. Oui, il a dû se faire Hercule de foire par chagrin d'amour. Quand même, ce Bossemann, il est quand même pas vite gêné, hein. Nous laisser tout seul à deux comme ça. Mais il ne pouvait pas faire autrement du moment qu'il doit surveiller le lièvre. Ça l'amuse de jouer au cuisinier, là. S'il avait tant que ça envie de s'amuser au lieu de faire cuisinière, il aurait pu inviter deux ou trois personnes en plus pour mettre un peu d'entrain. Rien que les enfants, vous deux et moi, ça va être mortel. Oui, ben justement, tiens, il l'a fait. Comment? Il a osé inviter des gens sans me consulter derrière mon dos? Non, mais... Qui sont ces personnes qui m'ont invité derrière moi? Je te le donne en mille. Oh, tu sais que je suis pas forte sur les devinettes. Hein. Monsieur Eliassin et Madame Violette. Ben, le faux ménage est brouillé depuis ce matin. Oui, séparé vers l'amiable. Quand même, Auguste, c'est contraire aux convenances. Mais
je lui ai fait comprendre à François. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il a cru qu'il te ferait plaisir en les invitant. Mais c'est évidemment tout à fait le contraire. Tu sais quoi, Léontine? Va aller trouver pour ce monde qu'ils disent à Madame Violette qu'elle a été invitée par erreur. Qu'il l'invitera à souper une autre fois. Mais ça pourrait vexer notre locataire. Et elle pourrait en vouloir à Bossemans. Ben, c'est juste ce qu'il faut. C'est juste ce qu'il faut pas. Elle serait capable d'aller acheter son papier peint ailleurs. Et moi, je perdrais ma commission. Oui, oui, il s'agit bien de ta commission, tiens, quand... Madame Violette est une intrigante. Et ça, tu le sais bien, une femme fatale. Or, elle a perdu son ami sérieux. Il lui faut donc en trouver un autre. Et notre ami Bossemann est plein de picaillons. Oui, oui, oui. Tu y es maintenant. Et tu crois que Bossemann pourrait se laisser entortiller par Violette? Ben, si ça n'était que ça. Mais si nous ne faisons rien, cette aventurière est capable de se faire épouser par Bossemann. Et tu vois notre fille Georgette avec pour belle-mère cette madame Violette. J'en ferai une maladie de cœur. Mais... si Bossemans renvoie son invité, comme tu l'exiges, Madame Violette pourrait croire que c'est à cause de nous. Et comme elle n'a pas de bail, elle donnerait immédiatement congé. Et nous voilà avec un premier étage sur les bras. Ne dis pas le contraire. Madame Violette a proposé de remettre en état le premier étage à ses frais. Et si elle part, ben ce sera à nos frais à nous. Ne proteste pas, Auguste, tu voudrais nous mettre sur la paille que tu ne ferais pas autrement. Enfin, puis-je enfin passer un mot? Mais tu ne fais que parler. Oh, c'est entendu. On dînera avec Madame Violette. On lui fera bonne mine. C'est toi qui le veux? Oui. Tu l'exiges? Oui, oui, oui. Parce que moi, je prends aucune responsabilité. Je les prends toutes. Alors, ça va. Je sais que le rôle d'une femme... eut-elle mille fois raison et de s'incliner, souffrir et pleurer en silence? Tant mieux si tu sais cela, mais pour l'amour du ciel et le silence un peu moins bouillant. Monsieur Bossemann n'est pas là? Il est dans la cuisine. Et mon ex-ami? Elle n'est pas en cours de retour. Tant mieux, j'aime mieux ne plus la rencontrer. Ben, vous deviez pourtant souper avec elle et nous avec. Non, je suis venu annoncer à M. Bossemann que je suis au grand regret de décliner son invitation. Ah? Et pourquoi ça? Il m'est devenu impossible de m'asseoir à la même table que cette personne. Savez-vous ce qu'elle m'appelle? À vous? À moi, à vous, M. Coppenole, à vous, Mme Coppenole, et à tous les supporters du Daring. Oui, lui, ça fait beaucoup de gens à qui elle a fait quelque chose, hein? Elle a profité de ma générosité, car enfin, si je n'avais pas parlé et fait remplacer le tapis, à mes frais encore bien, elle n'aurait jamais rencontré M. Bossemann. Ah, évidemment, il y a peu de chance. Eh bien, elle en a profité pour faire inscrire votre ami Bossemann et son fils à l'Union Saint-Gilloise. L'un comme membre bienfaiteur et l'autre comme membre actif. À l'Union! À l'Union! Bon, ce n'est pas possible! Et elle me l'a annoncé tout à l'heure par téléphone pour me narguer. Oh! Et ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la coupe! C'est pas une raison pour pas souper avec nous! C'est fait! Et vous dire à M. Bossemann que jusqu'à présent, à part Mme Violette, je ne me suis jamais assis à la table d'un partisan de l'Union. Et ce n'est pas aujourd'hui que je commencerai. Adieu! Bossemann n'a pas dû se rendre compte de la gravité de sa décision. Tu vas le lui faire comprendre. Ça tout de suite. Soit, j'irai le chercher. Je lui dirai que tu as quelque chose d'important à lui communiquer. Mais ce lièvre, il est en train de surveiller. Le lièvre? Tu penses au lièvre quand il nous arrive un accro pareil, toi? Un lièvre, t'es un drôle de lapin, tu sais. Oui, 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 il faut bien que ça m'arrive à moi. Moi qui ai horreur de compliquer ma vie. Bien, qu'est-ce qui se passe ici? Ta femme qui rentre dans ma cuisine comme une folle en vue que je viens de te parler sans même le temps de terminer ma vie. Mais François, tu es quand même un drôle, hein? Mais enfin, où vois-tu la tête de ah! Arrête de se tourner comme ça avec cette fourchette dans cette casserole! Ça me tourne l'estomac! Mais si je cesse de tourner, le sang tourne et mon roux est foutu! Ouais,
Il s'agit bien de ton routier, Quoi? Un malheur est arrivé, oh Dieu! Un malheur, non, mais enfin, François, quelle idée as-tu de t'inscrire, toi et ton gamin, à l'Union Saint-Gilloise? Et c'est pour ça que tu fais tant d'histoires, Auguste! Mais combien de fois vous n'avez pas répété, vous devriez une fois la chef que et toi faire partie de club de supporters. Mais d'une autre, François, d'une autre, celui du Daring. Moi, club de supporters, c'est un club de supporters, Auguste. Ah, tu crois ça? Oh, ouais. Je te savais ignorant des pratiques de football, mais en ce point, ce que tu as fait là, François, c'est comme si ton curé t'ayant demandé d'entrer dans une association bien pensante, tu serais rentré pour le contenter, tiens, allez, je vais dire, chez les francs-maçons. Hein, le curé des francs-maçons dans ce genre de club de supporters? Mais non, il dit, ça est une image. Hein. Une image de quoi? De l'antagonisme qu'il y a entre les deux équipes. De l'antagonisme. Mais comprends-moi, François, le Daring et l'Union, mais c'est comme l'eau et le feu. Oui, aïe, au lieu de me jeter à l'eau, je me suis flanqué au feu, voilà. Ah, et dire que moi je croyais vous faire plaisir. Ouais, mais ça va s'arranger, hein. Tu vas donner ta démission de l'Union et Joseph également. Qu'on rien signé, Auguste. Oh, mais alors il n'y a rien de fait, ça n'était qu'une fausse alerte. Oui, une fausse alerte qui a fait tourner mon rouet plein de crumeaux à la porte. Bonjour, messieurs, me revoilà. Oh, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Attends, laquelle, madame Violette? Mais figurez-vous que je dénichais les deux parrains pour vous présenter au club des supporters de l'Union. Appelez ça une bonne nouvelle, vous? Ça va aller comme sur des roulettes. Mais non, ça ne doit pas aller comme sur des roulettes. Mais c'est-à-dire? C'est-à-dire... Enfin, est-ce que tu vas la mettre au courant, enfin? Mais enfin, Auguste, mais je ne fais que ça, moi. Eh ben, on ne dirait pas, hein. Tu l'embines. Moi, je l'embine. Eh ben, si je l'embine, c'est que j'ai des raisons de l'embiner, Auguste. Il y a des choses qu'on doit annoncer avec des déménagements. Monsieur Bosman, vous ne songez pas, j'espère, à reprendre votre parole. Non, ça passe. Comment ça pas? Ah, j'ai compris. Mais enfin, on pourrait remettre notre adhésion à plus tard, hein. Ben, ni maintenant, ni plus tard, jamais. J'ai compris, c'est Monsieur Copenhague qui ne veut pas vous passer partie de mon club. Mais c'est plutôt mon 50% qui ne le veut pas. Et vous vous laissez faire la loi par Madame Copenhague? Non, moi je ne me laisse faire la loi par personne. On savait déjà qu'elle menait son mari par le bout du nez. La femme qui me mène par le bout de mon nez, ça allait pas dans le nez. Mais je ne savais pas qu'elle arriverait à faire la même chose avec vous. C'est tout de même un peu fort. Ouais, ça c'est vrai. C'est tout de même un peu fort, Augustin. Et elle n'est pas encore votre parente. Mais je me demande ce que ce sera quand elle deviendra la belle-mère de votre fils. Ouais, ça, je me le demande aussi. Moi qui vous croyez un homme, Monsieur Bosman. Un vrai, capable d'inspirer l'admiration, l'amitié. Et peut-être plus encore. Non, mais enfin, regardez-moi ça une fois. Mais regardez-moi ça. Enfin, vous devriez avoir honte. Mais pourquoi honte? Il n'y a pas de mal à dire que je peux inspirer de l'amitié, je sais plus encore. François, tu nous as promis. Mais avant aussi, Monsieur Bosman s'a promis. Attendez. Il y a peut-être un moyen de tout arranger. Lequel? Eh bien, si je faisais partie du club de supporters de l'Union et des clubs de supporters du Daring. Mais enfin, François, maintenant, tu deviens complètement goum-goum. Donc, je ne te permets absolument pas de me causer sur ce ton. Mais enfin, est-ce que tu te rends seulement compte de la façon dont tu t'es conduit? Oui, je me conduis de quelle façon? Stupide, ridicule, moi, je suis ridicule. Je dirais même plus grotesque. Oui, grotesque. Mais vous voulez essayer de dire des choses comme ça? Attendez un peu, non, ne me laisserai pas dire des choses comme ça, moi. Je ne sais pas si ma femme me mène par le bout de mon nez, mais ce que je sais... Tout le monde le sait. Oui, tout le monde est même plus, tout le monde le sait. Oui, possible, mais ce que je sais, moi, c'est que cette créature vous fait déjà danser comme un véritable Pouchonneau. Pouchonneau, ça, Auguste, ça, c'est un mot de trop, Auguste. C'est un mot de trop, Pouchonneau, hein. Non, c'est vrai des créatures. Oui, mais c'est encore un mot de trop. Je ne permettrai à personne de traiter dans mon magasin client de créatures. Ah, ça, je ne me laisserai pas faire la loi
chez moi par une espèce de madame Copenhague, non mais... Viens parler au moins. Ah! Pourquoi est-ce qu'on crie mon nom comme ça? Mais non, d'un chien, c'est parce que mon sommeil refuse de donner son émission de l'Union, tiens! Ça, je voudrais une fois bien voir. Mais voyez comme elle vous parle, monsieur Bosman. Ah, je comprends. C'est madame Violette qui la lui défend. Ah, attends. Personne n'a rien à me défendre ici, hein. Mais personne non plus n'a rien à me commander, hein. Est-ce bien entendu, madame Copenhague? Monsieur Bosemans, une fois ou pour toutes, allez-vous lâcher l'Union, oui ou non? Si ça me plaît. Oui, tu veux dire si ça plaît à madame Violette? Eh, vieux, c'est encore mes affaires, hein? Je fais ce que je veux, hein? Jamais de ma vie, ni même après, je ne donnerai ma fille à marier au fils d'un supporteur de l'Union. Et pourquoi voulez-vous qu'il donne son fils à marier à la fille d'un supporter du Dering? Pourquoi? Son union vaut bien votre Dering, hein? Auguste, tu l'entends? Ce qu'il ose dire? Il faut être tout à fait fou! Osez comparer notre Dering à l'Union! Mais pendant des années, l'Union a battu votre Dering! Elle l'a battu! Depuis quelque temps, c'est plutôt le Dering qui tape sous votre grosse tête de l'Union, hein! À présent, c'est le Dering qui tape sous votre grosse tête! Grâce à une erreur d'arbitrage, ça va s'arranger! L'Union prendra sa revanche! Parfaitement. Mais qu'est-ce que vous pensez? Que je veux être membre d'honneur? D'honneur, vous m'entendez? D'un club qui se laisse tout le temps taper sur la tête par votre stupide? Mais pour qui vous me prenez? Pour qui je vous prends? Mais pour un pauvre labecac! Quoi? Un labecac! La porte est là, Auguste. La porte est là! Et nous allons la prendre avec le plus grand plaisir. Non, mais... Nous avons enfin trouvé un moka. Monsieur Bosseman, il peut le manger avec sa moque, son moka. Mais enfin, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je n'accepterai jamais pour gendre un joueur de l'Union Saint-Gilloise. Jamais! Mais je ne fais pas partie de l'Union Saint-Gilloise. Si tu en fais partie, et tu deviendras un as. Et tu battras le Dering à plate couture. C'est ton père qui te le dit. Ma fille, viens tout de suite ici. Je ne veux pas. J'aime Jeff que moi. Mais tu en aimeras bien un autre que ce stupide Jeff que... Oh. Au plaisir de ne jamais vous revoir. Georgette. Et je secoue sur le seuil de la porte la poussière de mon mépris. Membre d'honneur de l'Union, bouche-le. J'irai dire partout que tu te fais tête à moustache. Yes. Parfaitement. Membre de l'Union, je suis. Membre de l'Union, je reste. Oh, monsieur Bosmans,